Le monde du sport en deuil en France après la mort en Argentine de 3 sportifs et champions français dans la collision de 2 hélicoptères. L'heure tourne pour Athènes, priée par ses partenaires de la zone euro de passer à la vitesse supérieure en matière de réforme. Des discussions techniques débuteront ce mercredi. Petro Poroshenko confirme le retrait significatif d'armes lourdes rebelles et des troupes ukrainiennes conformément aux accords de Minsk. Mais depuis la trêve, 64 militaires de Kiev sont morts. Voici une vidéo d'une collision de 2 hélicoptères présentée par un média local comme le drame qui a coûté la vie à 10 personnes, dont 8 Français en Argentine. Une collision survenue lundi vers 17h heure locale sur le tournage d'une émission de télé-réalité de TF1, mais ce n'est que ce mardi que les corps ont commencé à être retirés. Le drame endeuille le monde du sport, avec notamment la mort de la célèbre navigatrice Florence Artaud, seule femme à avoir remporté la mythique route du Rhum. La nageuse Camille Muffat, couronnée d'or, d'argent et de bronze aux Jeux olympiques de Londres en 2012, a également perdu la vie. Elle avait 25 ans. Autre perte, celle du boxeur médaillé olympique de bronze à Pékin, Alexis Vastine. Le président français a fait part de sa stupeur et de son émotion. Il a salué 3 champions qui voulaient repousser les frontières. Les 5 autres victimes françaises faisaient toutes partie de l'équipe de production de l'émission Dropped. Un jeu d'aventure venu de Suède est prévu pour être diffusé l'été prochain. Les 2 autres victimes sont les pilotes argentins des hélicoptères. Le ministre français des Sports a évoqué une erreur de pilotage. Un jeu qui vire au cauchemar. Dropped, une émission de télé-réalité d'origine suédoise, devait être diffusée cet été sur TF1. Le concept, 2 équipes composées d'anciens athlètes de haut niveau sont larguées en pleine nature. L'aventure s'est arrêtée peu de temps après le début du tournage, avec ce crash tragique qui a coûté la vie à 3 sportifs bien connus des Français. Le président Hollande a fait part de son émotion. J'ai forcément aujourd'hui une pensée pour ces 3 champions qui, hélas, ont fait un moment briller leur pays et aujourd'hui sont morts. Je ne veux pas oublier les 7 autres victimes et toutes leurs familles qui se trouvent endeuillées. Vive émotion également à TF1 qui avait déjà été confronté à la mort d'un candidat et d'un médecin sur une autre émission de télé-réalité réalisée par la même société de production. On ne peut que penser aux familles endeuillées, à la fois de nos 3 grands champions, mais aussi de l'équipe technique qui était avec eux. On n'en connaît pas les circonstances, mais ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, un jeu comme celui-là était fait pour apporter du bonheur à tous. D'autres candidats ont échappé de peu à la mort, comme le nageur et champion olympique Alain Bernard, qui a embarqué dans un autre hélicoptère pour une question de poids. Ouais.
L'heure tourne pour Athènes, priée par ses partenaires de la zone euro de passer à la vitesse supérieure en matière de réforme. Les discussions techniques sur ce sujet épineux débuteront ce mercredi, ont annoncé des responsables européens. Athènes devant mener des réformes pour obtenir un financement supplémentaire. Je pense que l'on devrait donner à la Grèce et au gouvernement autant de marge que possible afin qu'ils puissent faire ce qu'ils peuvent, indiquait cette femme à Athènes. Ça ira progressivement et nous verrons quelles réformes peuvent passer. Je pense que les gens sont conscients de ce qui se passe. Ils ne s'attendent pas à ce que tout change et que tout sera parfait car ces conditions étaient là auparavant. J'espère qu'un accord sera atteint. Parce que je vois qu'ils ne sont pas aussi durs qu'ils ne l'étaient auparavant, estimait ce résident au chômage. Et nous, de notre côté, nous avons commencé à devenir plus clairs concernant nos demandes. Je pense donc qu'il va se passer quelque chose. J'espère qu'ils ne vont pas mettre en place les mesures précédentes du sauvetage, celles qui étaient censées être appliquées parce que nous ne pouvions pas l'accepter. Alors que se tenait lundi une réunion de l'Eurogroupe à Bruxelles, des propos du ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, émanant d'un documentaire diffusé dans la soirée, faisaient des vagues à Berlin. Varoufakis indiquait que les dirigeants européens avaient toujours su que la Grèce ne rembourserait jamais ses dettes. L'enquête peut commencer. La commission spéciale du Parlement européen, mise sur pied dans le sillage des LuxLeaks, a pris du service. Objectif, faire la lumière sur les cadeaux fiscaux faits par certains pays aux entreprises. Son président, Alain Lamassoure. Nous ne sommes pas des justiciers, nous sommes des législateurs. Nous voulons élargir l'enquête de la presse, qui portait surtout sur Luxembourg, à l'ensemble des États membres, et il y en a probablement 4, 5 ou 6. Dans lequel la situation n'est pas tout à fait normale. Cette commission se donne environ 6 mois pour rendre son rapport et faire des recommandations. Les Verts, qui ont fait le forcing pour sa création, n'entendent rien lâcher. Chaque fois qu'il y a des révélations, des scandales, le monde politique s'agite un petit peu au moment du scandale en se disant « il faut quand même qu'on ait l'air de réagir ». Et puis après ça, dès que le soufflet retombe, eh bien, finalement l'énergie pour réellement changer les choses, elle disparaît complètement. Le but de cette commission spéciale est d'exercer une pression constante sur la commission et sur les États membres pour que les pratiques fiscales des États membres changent en matière de fiscalité des entreprises. La Commission européenne devrait faire une première proposition la semaine prochaine pour que les accords passés dans un pays entre les grandes entreprises et les autorités fiscales soient connues des voisins européens. Mais la commission parlementaire annonce d'ores et déjà vouloir aller plus loin. Non à Bruxelles, mais pas à ses financements. Avec 23 élus au Parlement européen, le Front national emploie des assistants dont les salaires sont pris en charge par l'institution. Or, le président du Parlement en soupçonne une vingtaine de travailler pour le parti au siège de Nanterre. Il a saisi l'Office européen de lutte antifraude. Une énorme quantité d'argent est payée par le Parlement européen et nous devons déterminer si ces personnes travaillent réellement en tant qu'assistants parlementaires ou en tant qu'assistants et conseillers au siège du Front national français. La réaction de Marine Le Pen ne s'est pas fait attendre. Sur son compte Twitter, la présidente du Front national fustige les socialistes et annonce qu'elle portera plainte pour dénonciation calomnieuse. De leur côté, les instances du Parlement mettent en avant l'organigramme du parti d'extrême droite français, dans lequel figurent certains de ses assistants, parfois même à des postes clés. Il revient désormais à l'Office antifraude de décider d'ouvrir une enquête. Petro Poroshenko confirme le retrait significatif d'armes lourdes rebelles. Conformément aux accords de paix de Minsk du 12 février, le président ukrainien a pris acte de cet état de fait, tout en précisant que l'Ukraine avait elle aussi retiré l'essentiel de ses systèmes de roquettes et d'artillerie lourde. Le chef de l'État a également précisé que depuis l'instauration du dernier cessez-le-feu le 15 février, 64 militaires ukrainiens ont été tués dans l'Est séparatiste pro-russe. Le président Poroshenko a par ailleurs annoncé avoir convoqué pour ce mardi son cabinet de guerre au cours duquel des décisions importantes vont être prises sans fournir plus de précisions. Les attaques ont considérablement diminué depuis le 15 février donc, même si les deux camps dénoncent des violences sporadiques et récurrentes en certains lieux. La trêve tient pourtant globalement et majoritairement après le difficile accord de paix de Minsk, signé avec la médiation du président français Hollande, la chancelière allemande Merkel, en présence du président russe Vladimir Poutine et de son homologue ukrainien Petro Poroshenko. Barack Obama et Donald Tusk insistent sur l'unité pour imposer des sanctions à Moscou dans la crise ukrainienne.
Cette crise dans l'est de ce pays était au cœur de l'entretien hier à la Maison-Blanche entre le président américain et le président du Conseil européen. Pour le chef de la Maison-Blanche, rien ne pourra se faire sans une surveillance efficace du processus. Nous apprécions beaucoup le travail réalisé par la chancelière Merkel et le président Hollande dans les accords de Minsk. Mais nous savons aussi, au vu de l'expérience de la dernière année écoulée, que sans la mise en œuvre d'une surveillance efficace, ces accords n'auront aucun sens. Donald Tusk a lui déclaré qu'un besoin d'unité entre l'Europe et les États-Unis est le dénominateur commun dans la gestion des défis auxquels il fait face. Nos ennemis qui utilisent la propagande contre nous commettent des actes de violence et d'atteinte à la souveraineté de nos voisins. Nous devons rester unis, divisés, nous chuterons. Voilà ma conviction, estime le président du Conseil européen. Une précision qui vaut aussi pour la lutte contre l'organisation État islamique. Le président Tusk était beaucoup plus franc dans sa critique de Moscou que le président Obama, parlant d'une agression russe contre ses voisins qui doit être arrêtée. Washington n'a pas encore engagé de nouvelles sanctions, mais cela pourrait bientôt venir, estime Stefan Grobe, notre correspondant à Washington depuis la Maison-Blanche. Stefan Grobe, Euronews, at the White House. Il est connu pour ses propos controversés. Et cette fois encore, et en pleine campagne électorale pour les législatives, le ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, a tenu des déclarations choquantes à l'égard des Arabes israéliens, en estimant qu'il fallait décapiter à la hache ceux qui n'étaient pas fidèles à Israël. Des propos tenus dimanche. Je voudrais dire que quiconque est avec nous devrait tout obtenir comme il le mérite, a déclaré Lieberman. Mais pour ceux qui sont contre nous, il n'y a rien à faire. Nous devons prendre une hache et couper leur tête. Autrement, nous ne survivrons pas ici. Les élections législatives se tiennent le 17 mars prochain. Le premier ministre sortant, Benjamin Netanyahu, est donné favori. Tandis que pour la première fois de leur histoire, les partis arabes israéliens ont surmonté des divergences fondamentales et formé une liste commune. Les Arabes israéliens représentent aujourd'hui plus d'un Israélien sur cinq. Les forces qui combattent État islamique en Irak ont remporté une nouvelle victoire. Les soldats irakiens, appuyés par les miliciens chiites, ont délogé les islamistes de Al-Alam, dans les faubourgs nord de Tikrit. Mais les islamistes déterminés à défendre Tikrit ont fait venir des renforts du nord. Ils se sont donc vers Tikrit, les islamistes ayant été chassés de ces faubourgs. Prendre Tikrit, ce serait ouvrir la voie pour Mossoul, la plus grande ville du nord de l'Irak, contrôlée par les djihadistes depuis juin 2014. L'objectif, c'est aussi la libération de Fallujah, à seulement 40 km de Bagdad. À 20 km de là, l'armée irakienne a repris la ville stratégique de Garma. Nous, les commandos du 11e contingent, avons été capables de libérer le district de Garma qui était sous le contrôle de Daesh. On l'a libéré complètement. État islamique contrôle un tiers de la Syrie et l'Irak, des pays où la coalition internationale a mené 12 raids aériens lundi. Le torchon brûle entre Nicolas Maduro, président du Venezuela, et l'américain Barack Obama. Maduro a réagi très violemment au décret signé hier par Washington qui classe le Venezuela comme une menace pour les États-Unis. Le décret prévoit notamment un gel des avoirs financiers pour des responsables vénézuéliens accusés de violation des droits de l'homme. Les 7 hauts fonctionnaires sanctionnés par Washington sont impliqués dans la violente répression des manifestations contre le président Maduro entre février et mai 2014, qui avait fait 43 morts. Aujourd'hui, le président Barack Obama a franchi l'étape la plus agressive, injuste et nuisible prise par les États-Unis contre le Venezuela, pays de Bolivar, a déclaré Nicolas Maduro. Contre Venezuela. Furieux, Nicolas Maduro a rappelé son plus haut représentant aux États-Unis et nommé au poste de ministre de l'Intérieur l'une des personnalités sanctionnées. Nicolas Maduro, dans son pays, est de plus en plus contesté, notamment à cause de la crise économique. Le Venezuela, qui dispose des plus importantes réserves de pétrole au monde, souffre de la chute des cours du brut.